Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode d'Evenia. Alors ça faisait plusieurs jours que j'avais pas tourné d'épisode, que ce soit d'Evenia ou de LP, mais c'est tout simplement parce qu'en ce moment j'ai beaucoup de choses à faire, et c'est très compliqué pour moi de pouvoir tourner des épisodes en même temps. Alors j'essaie de faire ce que je peux. Et malheureusement des fois, j'ai pas forcément le temps de faire des épisodes, surtout qu'il y a certains épisodes dont la préparation est relativement longue. Donc, on va essayer de rattraper un peu tout ce retard. Alors, première des choses qui s'est passée, ce qu'il y a, c'est que là, comme vous pouvez le voir, j'ai continué le palais. Et malheureusement, j'avais déjà fait un record, hein. J'ai déjà fait un record sur cette partie-là. Et malheureusement, je sais pas ce qui s'est passé. Le record n'a pas fonctionné. Ça n'a pas enregistré ce que j'ai fait. Par contre, j'ai le timelapse de la construction. Donc, je vais vous passer le petit time-lapse.
alors j'espère que ce petit timelapse, puisque c'est la seule trace qui me reste de cet enregistrement, vous aura plu. Alors, ben, vous avez vu un peu, en gros, ça va être la partie, on va dire, c'est pas le pattern final, hein, c'est la partie principale du rez-de-chaussée. Et le pattern final, je partais sur un truc un peu comme on peut voir là. C'est un essai que j'avais fait, mais qui me... Je trouve pas ça très convaincant. Je sais pas encore si je vais garder ce pattern là. Donc je vais voir ça. Je sais pas si je laisse tout en andésite comme ça. Le problème c'est que ça fait fort gris. Et c'est le gris qui est dominant là. Et je veux pas que ça soit le gris qui soit dominant. Je voudrais que ça soit le jaune. Parce que je voudrais que le palais soit clair et non pas gris comme ça. Donc je vais voir pour garder le même pattern mais avec une dominance de couleurs différente. Au départ j'avais pensé au quartz, mais le quartz ça va me coûter très cher en quartz, surtout que c'est pas fini, il y a encore des niveaux que je vais faire. Donc je pense que je vais partir sur autre chose, voire reprendre de la brique de l'end. Je vais essayer de toute façon de ce côté là. Je vais vous essayer de ce côté là pour voir ce que ça donne. Et pour partir sur le même pattern mais sur des couleurs différentes. Par contre le bois je l'y a parce que la couleur du bois là mélangée au brick de l'end, je trouve que ça rend plutôt bien, ça s'accorde bien ensemble. Voilà. Alors là j'ai activé les shaders hein, pour qu'on puisse voir un peu le rendu que ça donne avec les shaders, les ombrages, la lumière et tout ça. Et bon c'est sûr il n'y a pas encore les reliefs mais on peut voir que ça donne quelque chose déjà. Et c'est plutôt pas mal. Pour la suite de ce que je vais vous expliquer, je vais donc désactiver les shaders et on va reprendre la visite et je vais vous montrer un peu tout ce qui s'est passé entre ce record et le dernier record. Le dernier record, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vous rappelle juste que c'était quand on a été on a été tué le dragon hein. On a été tué le dragon et j'ai fait un peu le tour des villages de l'End. Oh, j'ai pas exploré beaucoup puisque j'étais full stuff. Donc je suis rentré. Entre temps Fredo est mort. Donc moi je suis rentré pour me déstuffer. Et moi j'y suis retourné après, mais j'y suis retourné sans enregistrer. J'y suis retourné après. J'ai pu récupérer. Bon là j'ai plus grand chose hein, parce que j'y suis retourné. On peut voir d'ailleurs que j'ai une deuxième tête de dragon. J'ai récupéré un peu de stuff. Il est pas là le stuff que j'ai récupéré. Là il m'en reste un peu. Et j'ai récupéré un peu de stuff, mais j'ai récupéré surtout du mending. J'ai du mending sur toute mon armure. Hein, j'ai le plastron qui est là. Alors les protections qui sont dessus, c'est moi qui les ai rajoutées hein. Parce que j'avais de solidité. J'en ai qui avaient protection 3. Mais moi j'ai rajouté j'ai fusionné avec d'autres plastrons. Aussi bien des plastrons que j'avais déjà. Non j'en avais plus. Non parce que j'étais tombé je crois. Je sais plus. Je sais plus si j'étais tombé. Si, si, je suis tombé pour la deuxième visite. Oui, la deuxième visite que j'ai été, je suis tombé. Donc j'ai perdu tout mon stuff que j'avais sur moi. Donc j'y suis reparti avec un stuff en fer. Hein, si j'ai dit c'est pas la peine de repartir avec un stuff diamant si jamais je retombe encore une fois. Je suis donc parti avec un stuff en fer. Et j'ai fait le tour un peu des forteresses. Hein. Parce qu'après, bon, ben, l'End, le plus dangereux, si on regarde pas les Enderman, le plus dangereux, c'est le vide qui est en dessous. Hein. Il n'y a pas... Donc, mais le vide, vous avez beau avoir n'importe quelle armure, ça vous protégera pas du vide. Donc, j'ai donc récupéré du matériel de l'End. Il faudra quand même que j'y retourne, hein, parce que... Je voudrais... j'ai une épée, et j'ai récupéré deux pioches aussi, qui étaient en mending, dont j'ai fusionné, je les ai toutes les deux fusionnées avec les pioches que j'avais déjà.
parce que j'en avais une qui était en toucher de soi et l'autre en fortune 3. Donc bah, j'ai dit autant les fusionner ensemble, hein, ce qui sera bah, mes pioches principales. Hein. Là j'en ai une là, là c'est ma pioche fortune et là ça c'est ma pioche toucher de soi. Ce que j'ai fait d'autre aussi pendant le dernier record bah, qui n'a pas fonctionné, enfin, qui a planté, qui a crashé. Non, là ce que j'ai fait là, je le montre dans le record, je le montrais dans le record, je vais aller vous le montrer. Mais je l'ai pas fait en record ça, je l'ai fait hors caméra. Alors là on peut voir que ça n'y était pas. Ici des chemins Nilas. Bon là j'ai mis de la neige, c'est parce que pour le moment j'ai pas de pattern encore sur les. J'ai pas de pattern au niveau des couloirs encore. Faut que je réfléchisse à ça. Ici le petit hub central avec le portail du spawn qui est ici. Ici le portail à XP, flèche, os et l'usine à poulet. Ici j'ai pas encore fermé parce que ici ça donne. Où c'est que ça donne? Je crois que c'est sur les Ice Peaks. Oui, ici c'est les Ice Peaks. Ici c'est le chemin qui mène chez Fredo et au Stronghold. Bon, je vous le montre pas tout simplement parce que Fredo a commencé quelque chose dessus, un pattern sur les couloirs, et je ne veux pas le spoiler. Donc, si vous voulez le voir, s'il fait une vidéo dessus, ben allez la voir. Sinon, je vous le montrerai à la prochaine vidéo. Ici, c'est le désert, le Mesa. Bon, ben, tous les chemins font 2 de large. Je le dis, Fredo, les chemins doivent faire 2 de large. Parce que j'ai vu que tu avais commencé quelque chose là-haut au niveau du Stronghold. Il faut que ça fasse 2 de large, et tout simplement parce qu'on peut circuler avec les bateaux. J'ai pas de bateau sur moi, mais je vais en faire un. Parce que l'avantage de pouvoir circuler avec les bateaux, c'est que ça va beaucoup plus vite. Sur la glace, j'ai pas de. Bon, je vais en faire une. Je vais en faire une. Pour ceux qui connaissent pas la technique, je vais vous la montrer. Où c'est que je vais la mettre la table? Je vais la mettre là. Mais je pense que tout le monde la connaît cette technique. Hein. Je pense que tout le monde la connaît, mais bon. Si vous ne la connaissez pas, si on met un bateau là-dessus sur la glace, qu'on monte dedans, et qu'on n'a pas les pigments dans le passage, il faut que je mette d'ailleurs des trappes d'or, et ben on va relativement vite avec les bateaux. Je viens de m'apercevoir qu'il y avait un petit défaut avec les bateaux. Et je le corrige tout de suite. On ne peut pas descendre d'un bateau. S'il n'y a que 2 de large, bah du moins on peut descendre, mais on suffoque dans les pierres. Donc, et ben aux endroits où c'est qu'on descendra du bateau, je vais mettre 3. Le deuxième avantage, c'est qu'on n'utilise pas de nourriture. Et pour les chemins les plus longs, c'est-à-dire pour le Mesa, par exemple, le Mesa qui lui est très très loin, sur Evenia. Et eh ben ça va aller beaucoup plus vite pour aller chercher, surtout que je vais avoir besoin d'argile, encore une fois, ça ira beaucoup plus vite. L'usine à flèches et à XP, je l'ai modifiée un petit peu, elle n'est pas finie. L'usine à XP, alors ce que j'ai fait dans cette usine-là, j'ai modifié. En dernier, c'est. Je sais plus si je l'avais montré, je me souviens plus. J'avais modifié l'usine pour que. Parce qu'au début, c'était là, ça venait ici. Voilà. Et je faisais suffoquer les mobs. Le problème de ce procédé-là, c'est que normalement, on était suffisamment loin du spawner, puisqu'on est décalé de 5 blocs quand ils atterrissent. Mais l'inconvénient de ce procédé-là, c'est que c'est relativement assez long, puisqu'il faut attendre à chaque fois quelque chose comme 18 secondes ou quelque chose comme ça. Pour que, bah je vais vous dire ça tout de suite, combien qu'il faut attendre. Il faut attendre 24 multiplié par 0,4, 9 secondes 6. Il faut attendre 9 secondes 6 pour à peu près 10 secondes pour les faire suffoquer à chaque fois, et c'est relativement assez long. Alors à un moment donné, bah, je les faisais tomber. Ça fait que, bah, avec la chute, il leur restait plus qu'un demi-cœur, voire un cœur. Bon, à part pour ceux qui étaient en armure, qui étaient plus résistants. Et là, il y a un bouchon. Pourquoi il y a un bouchon là? Pourquoi ça s'est transformé en glace?
Hein, va falloir que je voie ça. Enfin, quand ils arrivent ici, ils tombent sur cette plaque de pression. La plaque de pression là active un vérin qui est juste derrière. On va aller voir. Voilà. Un vérin qui est juste derrière. Et ce vérin là, les... c'est quand même pas à cause de mes Frostwalker. Normalement les Frostwalker, ça fait de la glace qui ne se gèle pas, qui ne se casse pas. Et non, là, de toute façon, là, ça... Ah, que ça soit il, là. Hein? Mais c'est bizarre, il y a quelque chose, de pas clair. En plus, normalement, la Frostwalker, normalement, la recasse aussitôt derrière. Enfin, je verrai ça après. Forcément, je l'ai regelé. Le piston là s'active, va pousser les mobs dans la source d'eau qui est censée être là, mais qui n'est pas là pour le moment. Voilà, je remets ça, en espérant que cette fois-ci, elle ne regèle pas. Voilà, elle est censée casser comme ça, la source d'eau. À moins que... C'est bizarre. Elle est censée casser normalement. Même si j'arrête de bouger, normalement elle casse. Ah là, elle casse. Mais là où elle casse pas. Bizarre. Bizarre. Bon, ici il va falloir que je les débloque. Normalement ils sont pas censés rester coincés ici, mais c'est parce qu'ils sont tous arrivés en paquet. Si je casse ici, peut-être plutôt casser là. Voilà. Tu me vois plus. Voilà. Ah bah après ils montent dans cet ascenseur là. Enfin je surveille cette source d'eau là. Parce que normalement elle est censée casser mais elle ne casse pas. Bizarre. Il y a des choses bizarres dans Minecraft. Et quand ils remontent ici, ils sont ici, il n'y a plus qu'à leur donner un coup. Alors moi je leur donne un coup d'épée, parce que l'avantage de l'épée c'est qu'on les tue quasiment tous en même temps, enfin tous ceux qui ont au même niveau de cœur. Et on récupère bah, les loot, pour le moment on les récupère comme ça, parce que j'ai encore rien mis pour les récupérer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai ramassé encore d'autre? Des flèches, j'en ai pas besoin d'autant. Ça fait que en fin de compte, eh ben, on reste AFK sur la zone là, du moment qu'on est proche du spawner. Et on n'a plus qu'à faire de l'XP ou farmer des os, des machins. Puisque par la suite, je vais mettre tout un système de récolte qui va pouvoir récolter les loot. Et qui vont être stockés quelque part par là. Ça, ça va de nouveau resservir. Je vais de nouveau le réutiliser. Parce que... Bah, je vais la mettre en full AFK, automatique, 100% automatique, pour faire des os et des flèches. Ils tomberont ici, et une fois qu'il y aura suffisamment de mobs, et ben, ça va les faire suffoquer. L'avantage, c'est que bah, ils n'auront pas besoin de beaucoup de secondes pour suffoquer. Donc tout ça, je vais remettre en service, tout ça, ça va refonctionner comme avant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que c'est tout. Il me semble que c'est tout pour le moment. Et bien sûr, comme d'habitude, ben je brûle. Alors ça, j'ai toujours pas l'explication. Je sais pas pourquoi. Je brûle tout le temps. C'est comme le portail là. Parce que je l'ai déplacé. Hein. Le portail là, il a été déplacé parce que j'ai tout rehaussé. Là, on est en limite de... On le voit pas ici. On le voit à côté, je crois. Non, on le voit pas. On est en limite, on est juste en dessous de la bedrock ici. Donc j'ai tout déplacé. L'ancien hub que j'avais commencé, il est pas là. Oui, parce que ça, je voulais pas montrer l'ancien hub. Ici, c'est comme ça, c'est tout simplement parce que je me suis planté au... Quand je l'ai déplacé, je me suis trompé dans les blocs.
J'ai inversé négatif et positif. Donc il a fallu que je leur déplace. Et là, je l'ai laissé parce que. Voilà quoi. Tout simplement. Voilà, je sais pas si je ferai quelque chose ou pas. Je fais peut-être une réserve à cet endroit-là. Stocker du matériel, quelque chose. Ça peut être pratique. Et là, quand on descend, et ben là, on va rejoindre l'ancien hub que j'avais commencé mais qui ne me plaisait pas. D'ailleurs, il va falloir que je récupère les coffres et tout ça. Voilà l'ancien hub. Alors j'ai récupéré toutes les dalles. Il faut encore que je récupère toute la stone qui est là. Parce que ça pourra me servir pour de la déco. Et j'en ai plus de la stone. Voilà. Et le hub, bah, il est juste au-dessus en fait, hein. Le hub, il est au-dessus. À la limite de la bedrock. L'avantage, c'est qu'on n'a plus de ghast qui spawn dedans, hein, puisqu'il est pas assez haut. Puis en plus, c'est dallé. On a encore les pigmen qui spawnent dans les chemins, mais ça, c'est pas très gênant. Puis en plus, je vais mettre par la suite des trappes d'or, donc normalement, ils devraient plus spawner. Et on peut circuler à pied, en sautant. Et on pourra circuler aussi en bateau sur les chemins les plus longs, qui permettra de gagner du temps. Ça permettra de gagner, bah voilà. Ah, on voit la bedrock là. Ça pourrait être aussi l'accès pour éventuellement la ferme à or plus tard. Je sais pas, je verrai bien. On verra ça plus tard. J'étais trop loin, c'est mon portail. Ici c'est mon portail, c'est mon chemin. Ici ça c'est tous les restes des matériaux que j'ai fait. Ça change un peu. Je vais avoir droit au rollback. Il y a même de l'orage. Il y a même de l'orage. Bon. On va dormir pour faire passer l'orage. Voilà, voilà les amis pour cette petite vidéo. Alors, il n'y a pas énormément de contenu dans cette vidéo. Bah, tout simplement parce que, voilà, le fait que j'ai le record qui a crashé sur la dernière vidéo que j'avais fait. Et ça m'embête bien parce qu'il y avait quand même 2-3 choses que je faisais, hein, comme je vous montrais le pattern que je voulais faire et tout ça. Bon, c'est pas grave parce qu'il y avait quand même le timelapse qui avait été sauvé. Puisque le timelapse, je l'enregistre autrement. Et donc je vous ai montré un peu à l'avancée des choses quand même, hein, de ce que j'ai déjà, ce que j'ai fait. On a vu un peu le pattern que je vais faire. Faut encore que je le retravaille, hein. Je vais le retravailler un peu parce que ça me plaît. Je préfère encore celui. Oui, je préfère encore celui-là. Même si on voit pas trop la différence entre les blocs, j'aime encore assez celui-là. Je pense que je vais rester sur ce pattern-là avec quelques détails repris dans de l'andésite ou de la stone brick. Je sais pas encore. Je vais voir ça. Je vais voir ça. Et puis bah la prochaine fois on continuera le palais je pense hein. Je pense qu'on continuera le palais. C'est pareil pour les chemins là et tout ce que j'ai fait là, tout ça je vais l'enlever parce que en fin de compte j'ai trouvé un pattern qui me convient. J'ai fait quelques tests et tout ça et j'ai enfin trouvé un pattern qui me convient. Ça fait quoi si je marche là avec les Frostwalker? Ah oui, ça gèle. Et ça gèle. Et donc tout ça va être refait. Autrement, je fais faire quelque chose de mieux. Enfin, quelque chose qui me plaît bien surtout. Pas forcément mieux, mais ça me plaît bien. C'est comme ici, tout ça va être l'extérieur du bâtiment. Hein. Toute cette partie-là, ça va être en partie à l'extérieur du bâtiment. Donc toute cette partie-là, je vais l'enlever et la refaire, hein, d'un autre matériau. Un matériau qui s'adapte mieux vers l'extérieur, puisque ça c'est du bois. Même si on est sur Minecraft, moi je préfère avoir d'autres matériaux pour l'extérieur. Comme ça, parce que c'est comme ça. Là c'est pareil. Ici ça va être une petite cour hein, avec une petite rambarde qui va donner une vue sur l'ensemble ici. Hein, puisqu'il y a ici il y a la petite montagne. D'ailleurs, il y a une autre montagne sur le côté normalement, mais là on la voit pas à cause du render distance qui est pas assez assez grand. C'est dommage parce qu'ici il y a une montagne ici, mais on ne le voit pas
c'est pas grave. Une vue que je vais sûrement modifier un peu, je vais retravailler par la suite, mais ça ce sera bien plus tard, hein, comme là il y a encore. Je vais la retravailler cette vue là, je vais la modifier ici, mais ici il y aura une belle vue, avec la cour ici. Hein. Ici ce sera l'entrée, à cet endroit là, ce sera l'entrée avec le comment je pourrais appeler ça, le couloir d'entrée. Non, je ne sais plus. Et après, bah, de chaque côté, hein, il y aura les bâtiments d'habitation. Voilà pour la présentation de la suite du palais. En dessous, pour le moment, bah, je laisserai mes coffres. Hein. D'ailleurs, je vais pas tarder à déplacer tous mes coffres pour les mettre par là. Hein, parce que là-haut, c'est pas très propre. Enfin, c'est surtout que ça fait désordre. Hein. Voilà, là, on voit la montagne qui commence à apparaître. Ici. Ouais, c'est dommage, le render distance est un petit peu trop éloigné pour avoir la vue sur la montagne. Et pourtant on est à 12 quand même. Hein. On est à 12. Et je veux pas l'augmenter plus parce que après ça commence à faire laguer. Moi j'ai une connexion internet qui est plutôt faible. Alors si ma connexion elle est perdue, enfin du moins elle est consommée entièrement pour le render distance, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Voilà pour cette petite vidéo. Sur ce, je vais vous laisser là. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao!